Bonjour à tous, je vous fais une vidéo aujourd'hui avec Marie. C'est encore un soin, mais c'est vrai que la période est tellement compliquée que je pense qu'il vaut mieux faire une petite vidéo pour nous aider à avancer plus sereinement. Donc voilà, je vais allumer la bougie de Marie pour faire cette vidéo. Comme ça, on sera super bien accompagnés. Et puis, on va pouvoir commencer. Voilà, alors. Alors voilà. C'est la période de décembre, donc c'est la période des familles avec Noël, la Sainte Famille. Et en même temps, on a la fête de l'Immaculée. Là, vendredi, ça va être beaucoup d'énergie très, très, très pure et lumineuse. Ça va vraiment nous régénérer et nous nettoyer aussi. Donc voilà, on est dans une période très intense, décembre, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, vous n'êtes pas sans remarquer que c'est compliqué en ce moment. C'est vraiment compliqué. C'est des grosses libérations qui se font au niveau des familles. Et du coup, c'est très compliqué à enlever aussi. Donc, c'est un peu l'objet de cette vidéo avec Marie pour qu'elle vous mette dans un petit sas de protection par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc, n'hésitez pas, moi, mes conseils sont ceux-là. C'est de bien vous mettre dans la vibration de flamme jumelle universelle. Vraiment de vous aligner sur votre mission pour l'humanité, parce que ça fait sortir de certains niveaux de conscience, il y a plus de protection. Et donc, vraiment, vous recentrez énormément. Alors, cette vidéo parle des familles, parce que c'est vraiment ces grosses libérations qu'on est en train de faire tous ensemble, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais en même temps, en fait, c'est une vidéo où on vous demande de vous recentrer sur vous. C'est le tout paradoxe. Alors, c'est une vidéo, voilà, qui va vous aider à vous recentrer sur vous et puis aussi à trouver vraiment une protection, un recentrage, un petit cocon. Ma Marie, elle nous fait souvent des petits cocons. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment ça, c'est on va la laisser, bon, elle est là depuis le début, mais on va vraiment la laisser passer si vous voulez. Elle passe au niveau des cœurs. Et là, elle passe à travers vous pour nettoyer aussi beaucoup, parce que c'est vraiment comme des prisons transparentes autour de vous et qui vont forcément, à un moment donné, créer des blocages sur le chemin et puis qui vont empêcher les nouveaux enfants d'arriver. Parce qu'eux, ils n'ont pas envie d'être dans cette prison-là, en fait, tout simplement. Donc, en fait, cette vidéo, elle est un peu pour tout ça. C'est pour nos vieilles familles, mais surtout pour nos futures familles. Et puis pour retrouver toujours toutes nos capacités, toute notre lumière. Donc c'est pour ça, concentrez-vous bien sur vous. Et ce qu'elle avait demandé, parce que là, ça fait une demi-heure que je prépare la vidéo, donc j'ai vraiment reçu beaucoup de messages. Tout ce que je vous dis, c'est les messages que j'ai reçus d'elle, c'est de la guidance. Et là, vraiment, elle demandait vraiment que vous passiez directement par elle, pour demander votre libération, juste votre libération. C'est-à-dire que vous allez tous les jours, si vous sentez que c'est juste pour vous, bien sûr, moi, c'est juste des conseils que je propose, c'est vous demander à Marie de vous libérer. La période est très propice à ça, et juste vous. Et le travail va se faire à partir de vous, parce que sinon, c'est pas encore assez mûr, c'est pas encore assez prêt. Ça va pas être, voilà, c'est pas la bonne technique, d'accord? Donc, on va vraiment travailler de cette manière-là. Je sais pas si vous sentez, ça fait une belle lumière au niveau du cœur. Au chouri, parce qu'en fait, là, souris parce qu'en fait, si vous voulez, de plus en plus quand je fais des vidéos et que je suis là dans les énergies du collectif et ça ressemble plus trop, moi, à ce que je vis. J'ai vraiment beaucoup. Il y a un moment, on arrive à s'extraire de tout ça.
Et tant mieux, parce que c'est vrai que c'est épuisant, c'est intense, c'est un peu lourd. Donc, il faut aller vraiment chercher votre lumière dans la vibration divine. Ça, c'est vraiment ce que je préconise à chaque fois, mais ça a été tellement bénéfique pour nous. Et des recentrages, des guérisons de vos systèmes, de vos schémas. Et au fur et à mesure, en fait, tout se met en place, tout s'aligne, tout. Vous capitalisez une certaine vibration qui va vous permettre en fait de sortir de tout ça en fait. Vous aurez accompli ce que vous avez à accomplir dans vos différentes missions. Donc la mission pour la flamme jumelle universelle, pour la flamme jumelle, pour l'humanité. Vos missions individuelles, même si vous ne les pratiquez pas, vous pouvez déjà y penser, mettre un petit plan d'action en place. Voir comment vous feriez, comment vous feriez pas, en tout cas y réfléchir. Ça aide beaucoup aussi. Donc, voilà. Et là, je ne sais pas si vous sentez, mais il y a vraiment la présence de Marie qui s'installe et qui vient se poser et qui vient vraiment aussi mettre comme une protection, en fait, devant nous, autour de nous, pour ne pas être trop englué dans ces énergies qui semblent, qui sont déstructurantes, qui sont. Ils me disent dévalorisantes, alors je répète, qui sont bousculantes, moi j'ai envie de dire, fatigantes et épuisantes, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment ça. Et en fait, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait voilà, qu'il y ait d'autres possibilités qui s'installent. Alors, voilà, donc bien centré sur vous, d'accord? Et vous accueillez cette lumière. Voilà. Bon, je fais une petite parenthèse. J'ai pas, voilà, je m'acquis plus là depuis plusieurs mois. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a de moins en moins de lumière avec l'hiver. Donc en fait, c'est pas du tout pareil à un rendu. Naturel et un rendu derrière la vidéo. La vidéo. Donc en fait, soyez pas inquiets si je suis cernée, mais je suis pas si cernée que ça va. Mais c'est juste que il y a de moins en moins de luminosité, alors que je suis dans l'endroit le plus lumineux de la maison. Mais avec l'hiver, ça baisse, et puis du coup, il y a. Voilà, c'est moins précis. Alors bon, je vais peut-être m'obliger à ressortir. La bébé crème et puis l'anti-cerne pour avoir bonne mine. Mais vraiment, j'aime pas ça. Donc voilà, soyez pas. Tout va bien. Tout va bien, soyez rassurés. Voilà. Donc laissez vraiment vous infuser, j'ai envie de dire. Parce que là, effectivement, je vois des blocages. Mais c'est toujours pareil, c'est en posant des actions ensemble qu'on va arriver ensemble à vraiment libérer ce genre de choses. C'est la période, c'est vraiment la période, elle est propice. Et vraiment, ce qu'elle m'a demandé, c'est, je vous le rappelle, hein, c'est vraiment de faire des demandes personnelles pour votre propre libération. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut demander. Alors, vous inquiétez pas, bon, ils entendent tout, ils savent tout. Hein. Donc, une fois c'est un peu comme un code promo. Si vous dites, voilà, cette phrase-là, ils vont dire, ah, ok, on sait exactement ce dont ils ont besoin, on va faire ce qu'il faut. Et puis voilà, c'est un peu comme ça. Alors, c'est un peu cavalier comme comparaison, hein, je l'entends. Mais j'en ai pas d'autres pour l'instant. C'est venu comme ça. C'est un mot de passe, on va dire ça comme ça, c'est plus sympa. Donc du coup, vous voyez là, il y a vraiment un petit cocon qui vient vous envelopper. Voilà.
Alors, ça va pas durer trop longtemps ce soin-là. J'entends que d'ici quelques minutes, ça va s'arrêter. Moi, c'est bien aussi, parce que comme ça, on peut vaquer à nos occupations de Noël. Vous pouvez le faire assez régulièrement, d'après ce que j'entends, même tous les jours, c'est pas un problème. C'est vraiment pour ceux qui sont bousculés par les énergies du moment. Et j'ai quand même beaucoup de messages en ce sens tous les jours. C'est pour ça que je me disais, bon, comment on va faire pour aller bien, en fait, en tout cas le mieux possible. Et ouais, c'est comme ça que je me suis dit, quelle vidéo on fait aujourd'hui? Bon, et j'avais plein d'idées, hein. Et puis, je suis toujours supposée avoir encore plein d'idées. Et puis, non, me dit pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Alors, bon, d'accord. Puis, demande à Marie. Et voilà. Donc, je sais que elle va vraiment nous offrir toutes les bonnes vibrations dont on a besoin pour être bien, en fait. Toujours là, Marie. Toujours présente. Ah, voilà. Oh là 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 là. Ah, elle met une protection au niveau du cœur et du canal. C'est super beau à voir. Ça fait un gros anneau en fait de lumière qui vous enveloppe de cette manière-là. On avait déjà vécu des choses comme ça avec les jumeaux. Ouais, voilà, c'est des processus et des alliances. Des alliances de protection, de reconnexion en fait. Pour vraiment, il y a un moment, voilà, on est vraiment complètement sous sa protection. Il ne peut plus rien nous arriver, mais ça demande beaucoup de travail. Alors là, c'est la protection de l'âme et la protection du cœur. Dans ce contexte-ci, j'ai pas encore assez de recul pour vous dire, mais quand il commence à y avoir des beaux anneaux comme ça, on est solide. On est un peu plus solide qu'avant, voire beaucoup plus solide qu'avant, il faut voir. Donc, voilà, j'espère que vous sentez, parce que c'est vraiment très beau, c'est très chouette, c'est très beau et c'est vraiment puissant. Alors, ce que j'entends, c'est que là, il y a une première partie de l'anneau qui est descendue. Mais c'est comme si enfin, il est posé, mais il n'est pas complètement posé. Donc, ce que j'entends, c'est que ce serait intéressant de faire la vidéo 3 fois, au moins, pour poser complètement cet anneau de protection sur vos cœurs. D'accord? Parce que, en fait, ça va. C'est des processus puissants, donc il faut un peu de temps. On accueille cette lumière, on souffle un peu, voilà. Et puis après, il y a un deuxième temps qui s'installe, un troisième temps. C'est 3 jours d'affilée pour ceux qui le sentent, mais c'est aussi peut-être plus espacé si c'est intense pour vous. Il faut vous écouter, d'accord? Donc voilà, donc c'est vraiment une vidéo qui est faite dans un but très spirituel, de protection spirituelle. Prenez bien soin de vous et si vous avez besoin d'accompagnement de n'importe quel type qui soit, psy, énergétique ou médical, n'hésitez pas à le faire. Je le dis parce que j'ai l'impression que j'ai vu un documentaire, j'aurais peut-être pas dû le voir, où il y a quand même. Voilà, dans le monde de l'énergétique en ce moment, il y a vraiment de tout. Et en fait, l'idée, c'est de vous apporter un plus dans vos vies, mais pas de vous détacher, pas de vous éloigner de l'essentiel et du bon sens. Et que voilà, il y a l'énergétique, il y a le spirituel, et puis il y a tous les autres domaines de vie aussi dans lesquels il faut aller chercher du ressort, des forces. Donc voilà, je vous ai rappelé ça. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça vous sera très utile. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Au revoir.